Salut à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Carmenès et moi-même, nous allons vous commenter cette rencontre. L'affiche est prestigieuse, hein, Pierre. Ben voilà un match qui promet à vraiment de la qualité dans les deux effectifs. Voici les 11 joueurs locaux qui vont débuter ce match. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. Une composition d'équipe qui ne laisse planer aucun doute. On va chercher à presser pour récupérer un maximum de ballons. Et pour bousculer l'adversaire en permanence, surtout. C'est important de savoir quoi faire quand on a le ballon, mais c'est aussi de bien jouer dans cet esprit-là quand on ne l'a pas. Olympiakos, c'est le club du Pirée, hein, le port d'Athènes. Ouais, ils ont beau avoir changé de stade, l'ambiance est toujours volcanique. Et tout le stade attend ça. Ah, ça y est, l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette première période. L'idée est déjà d'essayer d'imposer un défi physique à l'adversaire, histoire de prendre le match par le bon bout. Entre dans la zone dangereuse. Ça presse haut. Attention à ce ballon. Mbila. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Nelson Oliveira. Camara. Robben Semedo. Mbila. Mbappé Camara. Ouais, bien joué par-dessus. Le ballon qui a été dévié, ce sera une touche. Valbuena. Mbila. Il poursuit son action personnelle. Ouais, ça c'est très bien défendu. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Marco Livaya. Le ballon qui change de possession. Rafinha. Mbila. Valbuena. Une série de passes très fluide là. Allez, l'occasion peut-être de mener. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Bonne intervention. Intervention parfaite. Hein, bonne anticipation. Attention, attention à lui. Allez, après tout, pourquoi pas. Allez, c'est pas fini encore. Oh, le but! Le but visiteur qui vient plomber l'ambiance ici, qui vient éteindre le stade. Ça commence mal pour l'équipe locale. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but.
C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Petros Mantalos. Tankovic. Il s'infiltre, attention. Oh, il avait intérêt à le récupérer, hein, ce ballon. C'est bien joué. Mbila. El Arabi. Valbuena. On cherche un partenaire encore. Ça circule bien. Allez, oui, il va y aller. Ah, bien joué le gardien. C'est jamais facile de gagner ce genre de duel, mais il irait bien rester sur ses appuis. Il joue en deux temps le corner. Ah oui, comme une faute. Les dangers qui s'éloignent, c'était pourtant bien donné. Il était en situation difficile, Mathieu Valbuena, sous pression, et il a perdu le ballon. C'est sur un tir placé sur la droite qu'il a fait la différence face au gardien. Nelson Oliveira. Tankovic. Ballon rendu à l'adversaire. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Centre peut-être, allez. En haut de l'air pour la défense avec ce dégagement. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Ah, le contre un petit peu tué dans l'œuf avec ce ballon perdu. Ah, finalement, ils perdent ce ballon. Oh, c'est bien donné dans l'espace. La bonne passe dans l'espace. Et le but ! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. La passe en profondeur qui a précipité les choses, on revoit tout ça en ce moment. Ensuite, c'est joué en finesse avec juste ce qu'il fallait de précision pour éliminer le gardien. C'est un vrai geste d'attaquant. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Nelson Oliveira. Il protège bien son ballon. Oui, la faute signalée et sifflée. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Elle n'a rien pu faire. Il a dû se débarrasser du ballon face au pressing de l'adversaire. Le centre, il a vu ses coéquipiers. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon.
Et finalement, l'arbitre va se contenter de le rappeler à l'ordre. Oui, parce qu'il estime que ce n'est pas la peine de le sanctionner davantage, en tout cas pas pour le moment. Et c'est sur la barre. Ça presse haut, attention à ce ballon. Nelson Oliveira. Ouais, le défenseur qui enraye cette action. Il transmet ce ballon. Il y aura deux minutes de temps additionnel. Robben Semedo. El Arabi. Nelson Oliveira. Petros Mantalos. L'arbitre qui siffle la fin des 45 premières minutes. 2-0 au tableau d'affichage. Un réalisateur qui n'a pas choisi de s'attarder sur ce joueur par hasard. Il est incontournable au sein de l'attaque, touche beaucoup de ballons, il multiplie les appels judicieux et surtout il donne la bonne passe au bon moment. La passe décisive est donc logiquement arrivée à la fin. Et c'est parti pour la seconde période. Robben Semedo. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Papé Camara. Rafinha. Et ce centre qui est contré. Camara. Mathieu Valbuena. Récupération et peut-être une action dangereuse. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Ça manque de monde hein, derrière. À la défense a vite réagi hein, face à cette contre-attaque. Ils ont vraiment décidé à revenir dans ce match. Ouais, bien présent le gardien sur cette action, mais ce n'est pas fini. Et ça va donc être un corner. Ce joueur qui doit sortir après un bon match, un solide. Hein. Je trouve même qu'il a été très bon, mais il a peut-être besoin de souffler un peu. Ah, il est bien tiré le corner là. On s'approche du but. On perd de la balle. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Marco Livaya. Et ce ballon qui est bien récupéré. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Camara. El Arabi. Il avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Tankovic. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Bien défendu, bien lu la trajectoire là de cette passe. L'entraîneur qui donne ses dernières consignes, un joueur qui va rentrer.
Ruben Vinagre. Konstantinos Fortounis. Le ballon qui passe d'un joueur à l'autre, mais on est loin du but adverse. C'est plutôt tranquille. Camara. Mbila. Est complètement à côté de ses pompes, cette équipe. Donc normal que le public s'impatiente. Si elle ne presse pas davantage, elle n'est pas prête de revoir le ballon. Eh non, ça n'ira pas plus loin. C'est bien défendu. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Allez, il a du champ. Attention, c'est certainement pas terminé. Konstantinos Fortounis. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Peut-être une bonne opportunité, attention. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Le gardien qui écarte le danger des points. Allez, peut-être une bonne touche là. Et l'entraîneur qui procède à un changement. Rafinha. Ouais, ça c'est très bien défendu. L'adversaire qui s'empare de ce ballon. Roma. El Arabi. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, bien taclé. Le ballon qui n'est pour personne. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Et une aide qui tarde à venir. Il perd la balle. Il fallait intervenir, c'est bien. Le bon appel de balle. Mbila, on en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Mathieu Valbuena. Ouais, c'est intéressant de voir qu'il y a toujours une solution pour le porteur du ballon. Et de la qualité dans les passes, dans les déplacements également. Ruben Vinagre. Allez, il faut centrer. Il est là. Il faut trouver une ouverture. On multiplie les passes en cherchant l'ouverture. Ah non, le ballon est perdu sur cette bonne intervention. Balanceur, ça va être une touche. Alors qu'on va procéder à un changement. Rafinha. Ouais, la bonne circulation du ballon. Mbappé Camara. Allez, il y a de l'espace devant lui. Ouais, superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. Cette équipe qui assomme encore un peu plus l'adversaire. Eh bien, je crois, mon petit Hervé, que la mèche est dite. Bien, ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense. Hein. Marco Livaya. André Simões. Tankovic. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Roma,
Belarabi. Et voilà la fin du match. Et donc les 3 points pour l'équipe visiteuse, Pierre. Ah, une nette victoire au tableau d'affichage. Rien à dire sur ce qu'on a vu dans ce match. Elle est complètement logique. Bon joueur aujourd'hui, hein. Sérieux, appliqué dans ce match, bonne performance de sa part, en plus son équipe gagne. J'ai trouvé qu'il avait livré un bon match, il a participé à la victoire de son équipe en inscrivant un but, c'est toujours bon pour la confiance.